Bonjour, bonsoir tout le monde sur channel Orléans Informatique là pour une nouvelle vidéo. Je dis à nous allons montrer comment on est capable de protéger documents Word, comment on est capable de mettre un mot de passe sous lui pour ne pas accéder gens voulez avec document là. Nous allons lancer document Word, ok. Nous allons lancer document Word ça et puis nous allons montrer nous comment on est capable de protéger avec un mot de passe. Sans problème, ça nous fait nous venir ici, nous cliquer sur file, ok, nous cliquer sur file, ok, nous venir dans protect document, ok, nous venir pour la deuxième option, ouais, encrypt with password, nous cliquer sur lui, nous bail un mot de passe, par exemple, nous dit 1, 2, 3, comme mot de passe, 1, 2, 3, ok, nous tapez. Il m'a demandé pour nous entrer votre passe-là encore, pour nous confirmer votre passe-là. Nous faisons 1, 2, 3, nous entrons lui, et puis nous faisons OK. Et puis, nous fermons le document. OK. Nous save. Nous allons relancer le document, et puis nous avons que pour m'accéder à elle, nous avons demandé pour m'entrer un mot de passe. Mes documents là, OK. Faites deux clics pour moi accéder à document. Et puis, les documents lancés, on voit que les mandés mis un mot de passe pour moi accéder avec. Mais, il y a une boîte de dialogue, ça, les entrer mot de passe. Ça veut dire que si on allait essayer d'accéder avec un document, sous pas comme mot de passe là, on n'est pas capable d'accéder avec. Sous comme mot de passe là, comme mot de passe là, c'est 1, 2, 3, ou tapez 1, 2, et vous faites OK pour accéder à document sans problème. L'autre façon capable de protéger document, vous pouvez protéger lui en lecture seule. Ça veut dire que mon accéder à document, OK, il est capable de lire seulement, mais il n'est pas capable de modifier rien la donne. Voilà montrer comment que mon capable ouvrir le document. Il est capable de lire, mais il ne peut pas modifier rien dans le document. Comment on fait ça? Ok, même les documents là qui sont là. Comment on fait ça? Vous venez dans Review, vous cliquez sur Review, ok, et vous venez ici dans Restrict Editing. Ok, dans Restrict Editing, vous cliquez, et puis ici, ok, vous cochez deuxième option. Hein? Okay, ici, vous cochez et puis vous venez en bas là, d'accord, vous cliquez sur Yes, Start Enforcing Protection. Vous cliquez sur lui et puis vous demandez vous entrer un mot de passe. Ok, par exemple, vous mettez comme mot de passe 1, 2, 1, 2. Vous confirmez votre passe là 1, 2, 1, 2. Et puis vous faites OK. Ok, je vais faire mes documents, par exemple, je vais faire un document, je vais montrer que vous avez, mais vous n'êtes pas capable d'accéder à un document, vous n'êtes pas capable de modifier rien dans le document. Ce qu'on fait, on fait deux clics pour ouvrir le document. Ok, on fait deux clics pour ouvrir le document. Le document va ouvrir. Ok. Il ouvre comme ça, ok, il ouvre en lecture seule. Pour l'ouvrir en lecture seule, comme ça la ouvre, on est capable de venir ici dans l'icône print layout là, ici pour cliquer, ok, pour un document comme ça là, on est capable de modifier rien la donne. Si par exemple on doit effacer un bagage, on clique, ok, on fait backspace. Je ne peux pas accès pour me faire rien. Si je clique quelque part dans le document et puis je vais effacer avec backspace, je vais sélectionner, je vais delete, je ne peux pas faire rien, je ne peux pas avoir accès pour moi modifier rien dans le document. Ça veut dire que j'ai un document en lecture seule. Ça veut dire que je suis capable de lire le document, mais je ne peux pas modifier rien dans le document. Ça, c'est une autre façon capable de protéger le document. Chaque fois que je vais essayer de faire une modification, je vais regarder en bas là,
en bas là, il bat mon message, il prend mon message, ok, il dit que document main, il section ça, il lock, ok, il lock, il dit que pas capable mais mes messages là, il pas capable modifier document. Pour modifier le document, si mon n'a pas le mot de passe là, ok, on va venir ici, on va faire stop protection, cliquez sur stop protection, ok, donc cliquez sur stop protection, demande le mot de passe là, à permettre capable de modifier le genre de mot de passe là, c'est 1, 2, 1, 2, ok, on fait 1, 2, 1, 2, et puis on fait ok, et puis automatiquement on regarde que capable de modifier, on capable, ouais, capable modifier, j'ai moins vlé, ok, le document n'a pas parce que on retire le mot de passe là sur lui. Mais si, par contre, le mot de passe là, on est capable de faire rien pour protéger lui en lecture seul. C'est ça que je vais pour nous aujourd'hui à All in One Informatique. Merci à tout le monde qui est abonné à la chaîne déjà. Et si on peut faire ça, vous capable juste cliquer sur ce bouton rouge qui écrit s'abonner ou bien subscribe là et activer cette cloche là pour ne pas rater aucune vidéo pour capable encourager à porter plus de vidéos pour nous sur la chaîne. Ciao, ciao, n'a pas l'air.